Naandika kwa ndugu zangu na kwa wale wasio tushirikisha. Naandika kwa jamii kwa nia ya kuadibisha. Naandika kwa mapendo na busara, uzuri wa sifa pia zake hasara. Leo naandika kesho, kesho nitaandika jana, kwa lugha watakayoelewa vema wazee na vijana. Entre la poésie et l'art de la punchline, j'insère mes serres et je me sers à volonté. Entre la poésie et l'art de la punchline, je ne choisis pas de style, mais j'offre un loisir à mon stylo. Je n'ai pas choisi de public pour ce texte, ni pour ceux d'avant. J'écrivais juste pour les temples, les mosquées autant que les couvents. Je n'écrivais pas pour la patrie, ni pour les bons citoyens, mais pour l'enfant du monde, descendant d'Abel ou de Caïn. Je n'écris pas seulement pour ceux qui se disent chrétiens, j'écris aussi pour les crétins et souvent même pour les païens. Je n'écris pas que pour le berceau de l'humanité, mais j'ai toujours écrit au service de l'homo sapiens, pour les bienheureux, ceux qui vivent en toute précarité, pour le plus friqué, mais surtout pour l'homme sans pièce. J'écris pour les intellectuels et pour les illettrés. J'écris pour les va-nu-pieds et pour les bien-futés. J'écris pour émettre sur les rails et pour dresser des aplombs. J'écris même en braille et ce ne sera pas juste pour des aplombs. J'écris sur du papier, sur un tableau et des fois même sur un clavier, avec ma langue et mes doigts sous toute maîtrise du levier. Des fois je n'écris pas, j'ai juste quelque chose à graver, alors juste du bitume, de l'argile et des fois même du gravier. J'écris sur les écoles, sur les places publiques et même sur les marchés, pour mes frères en tôle, les tétraplégiques et vous tous qui marchez. Je n'écris pas pour moi et je n'ai pas des fan team, sans blague. J'écris pour une dream team de mes semblables. J'écris pour ceux qui sont dans la merde et pour ceux qui nous font chier, pour le plus insensé des boss, mais surtout pour les plus nobles ouvriers. Je n'écris pas pour moi, je n'ai pas de fan team, sans blague, j'écris pour une dream team de mes semblables. J'ai des textes pour enfants et pour tout ce vieux maniaque. Avec mon plus grand sérieux, j'écris mon paperback. Je n'écris pas pour les champions ni les pions, mais pour les ex-échos. J'écris pour les hommes différents, mais très égaux. Je n'écris pas que la misère, j'écris aussi la joie. J'écris pour les pucelles autant que pour toutes les filles de joie. Entre ma pensée et celle des autres, je ne fais pas des choix. Et si j'écris dans ma propre langue, c'est pour le plus petit citadin, mais surtout le dernier de villageois. Je vu ce que je dis, mais j'ai dit, je t'ai mué. Je dénichais de merveilles dans les poubelles de vie que j'ai remuées. Aujourd'hui, je crie sur la scène ce que j'ai écrit dans les coulisses. Le mani politique autant que les exactions de la police. J'ai écrit la décision des États-Unis sur Jérusalem. J'écris pour vivre plus longtemps que Mathusalem. J'écris l'Iran, l'Irak ou la guerre en Syrie. J'écris en épisode nos vies pour en faire la plus belle des séries. Je n'écris pas l'échec, mais je martèle sur le courage. En toute sérénité, j'écris ma plus forte rage. Mais le pire, c'est que j'ai écrit un livre en entier, sans jamais tourner la page.